Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. C'est de pire en pire. Excellent résultat, c'est indéniable. Le réel problème, c'est sa relation avec ses collègues. Il faudrait que je lui parle. Elle, c'est Claire. Elle est de loin la meilleure commerciale de la société Good Job spécialisée dans l'industrie de précision. Forte de ses 10 ans d'ancienneté, elle en est la doyenne. Malgré ses bons résultats commerciaux, elle est incapable de travailler en équipe et se débrouille toujours pour mettre ses collègues de côté. Ceci est un réel problème pour l'équipe dont Claire fait partie. Ses collègues ne peuvent en effet pas s'épanouir et profiter de son ancienneté et de ses très bonnes compétences. Ah oui, j'oubliais, vous êtes en charge de cette équipe commerciale. Bien que vous ayez déjà discuté du problème avec Claire, la situation n'a guère évolué et reste néfaste pour l'entreprise. À vous d'y remédier. Je vous ai fait venir aujourd'hui car nous avons un point important à voir ensemble. Je vous écoute. Cela fait maintenant plus de 10 ans que vous travaillez chez nous, et j'apprécie vos compétences et les résultats que vous produisez. Si l'on reprend seulement quelques chiffres, l'année dernière, vous avez vendu pour plus de 30% des ventes de l'équipe. De plus, en regardant les objectifs que je vous avais fixés en début d'année, vous les avez quasiment atteints, alors que nous ne sommes qu'en juillet. Merci. Il est vrai que je me sens très bien chez Good Job, et que je suis motivée pour rester la meilleure coûte que coûte. Je vous félicite pour votre motivation et votre volonté de faire toujours mieux. Je conçois tout à fait que votre résultat soit excellent, mais qu'en est-il de l'équipe? Tous vos collègues arrivent-ils à suivre votre exemple et votre rythme? Je pense que chacun suit son rythme. Bien entendu, les nouveaux n'atteignent pas les mêmes performances que moi pour l'instant, mais je suis sûre que cela viendra avec le temps.